Bonjour. Bon, on est dans un coin tranquille ici. Vous pensez quoi du Tour de France qui va venir dans deux jours? Ben, je suis très content, ça va faire venir du monde et ça fait tourner les commerces, et c'est toujours positif. Ouais, mais quand vous dites ça fait vraiment, vous pensez que ça fait tourner les commerces? Oui, oui. Les gîtes sont pleins, le restaurant, l'école est complet. Ah oui. Il y a beaucoup de monde qui vient pour ça, oui. Bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Bon courage avec cette chaleur là. Merci. Je crois que c'est un peu ombragé là. Bonjour messieurs dames. Bonjour monsieur. Vous êtes arrivé il y a longtemps là sur le site? Une demi-heure. Mmh. Et vous venez de loin? Alors nous de Tours, près de Tours. Près de Tours. Et nous l'Albanque. Ah bah c'est plus tout près. C'est plus près d'Astonnet, ouais, effectivement. Ah oui, il passe pas à l'Albanque là de Tours. Non. Il ne passe pas cette année. Il est déjà passé peut-être? Je ne sais pas. Ça fait pas longtemps qu'on habite à l'Albanque. Je ne sais pas. Ah non, c'est vrai, vous n'avez pas encore l'accent. Non. Ça fait 11 ans, je ne l'ai pas encore. Bon, et alors vous êtes passionné de vélo ou du tour ou... Oui, le tour et puis la caravane. On aime bien voir la caravane passer. Et l'ambiance. L'ambiance. Mais ce n'est pas vous qui aboyez. Enfin, la non. caravane passe. Non. Toujours là, eux. Ouais, toujours là, dans chaque caravane, ils sont là. Ouais, oui. Ah, ils balancent des saucissons? Je ne sais pas. Il n'y a rien à faire manger, j'espère. Il y a un restaurant en face, Marc. Il y a un resto là. Oui, il y a un resto. À l'école, là, il paraissait pas mal, ouais. Ah, ben il y en a un. Il y a un échappé? Non des... Ouais. Ouais, il est en avance. Ouais. Oh, ça a l'air de lui plaire. Hein. Il est con. Hein. Oh non, ça lui plaît pas, hein, dis donc. Hein. Souris, t'auras l'air moins con. C'est enregistré, je l'ai filmé ça. C'était bien vrai. On est responsable de nos paroles. Attends, c'est une fête. On est là, on applaudit, je sais pas, il peut regarder. Il aurait pu faire un petit signe, ne serait-ce que ça. C'est pour un échappé. Ouais, donc vous profitez de votre jeune retraite pour un petit peu occuper votre temps plutôt à... Entre copains. Ah ben c'est sympa ça. C'est vrai qu'on se demande après, quand on est en retraite, comment on a fait pour bosser comme ça. Quoi. C'est vrai. Mais bon, c'est appréciable quoi quand même d'avoir du temps à soi, un petit moment de vie où on choisit. Même si, moi je dis souvent je travaille, mon fils dit bon non tu travailles pas, t'es à la retraite. Ah, oui, mais si on travaille. S'occupe, on s'occupe, voilà. Ouais c'est vrai, pas du tout pareil. On n'a pas le même stress et tout. On n'a plus de stress en principe. Voilà. Et nous, on travaille ensemble. Ah, ils se font plaisir là. Ouais. Ouais, j'aurais bien été à leur place, moi. Moi aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, en tout cas. Donc, dans l'ensemble, vous êtes plutôt. Vous trouvez ça bien, le Tour de France, l'organisation, tout ça. Oui. On utilise l'argent public
pour un truc comme ça. Et si l'argent public ramène autre chose dans les villes et les communes, c'est quand même très important. Ça rapporte plus que ce qu'il donne. Ah oui, oui. Je pense. Peut-être pas pour les petites communes comme ça, mais les départs d'étapes, tout ça, ça rapporte. Vous savez combien ça leur coûte? Ben, au Luxembourg, combien tu disais? Pas au Luxembourg, au Danemark. Au Danemark, je crois, c'est 8 millions. Mais bon, ça reste quand même une grande métropole, le Danemark, je pense que... Et ça rapporte trois fois plus, hein, c'est ça? C'est ce qu'il disait, oui. Non, puis c'est populaire, tout le monde peut venir, c'est gratuit. Je pense que ça fait fonctionner tout ce qui est autour. Hein. C'est un système... Il faut quand même loger toute cette caravane et tous ces coureurs. Je pense qu'il y a des retombées économiques énormes. On n'en est pas certain, c'est vrai. C'est pour ça que je dis « je pense ». Ok, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, bon courage. Vous avez du temps à attendre, hein, parce que jusqu'à 16h. Enfin non, là, vous êtes fan de la caravane. Non, bon, on va aller faire un petit tour en ville, à pied. On va trouver un bar pour boire un coup. C'est important. Alors le bar, oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la région? Pas du tout. Non. Nous sommes de la Dordogne. Le 24, ouais, Ribérac, ouais, exactement. Ah, je connais pas ça. Vous connaissez pas? Ben là, il y a eu dernièrement la grêle. Ça a été passé aux actualités, tout ça. Voilà. Tout le Ribéracois a été grêlé, les toitures SKNT. Vous avez été touché, vous-même? Ouais, oui, oui. Ah oui. Personnellement, même mes petits-enfants. Vous aérez la tête avec le Tour de France, alors Tout à fait. Ça. Voilà. Bon. Vous êtes arrivé, oui, bah vous arriviez tout à l'heure là. Non, mais on est. Alors là, c'est mes petits-enfants, Jules et Nolan, c'est qui font du vélo un peu là. Ils font du vélo dans un club à Verteillac. Ouais. Et du coup, ben, ça nous a pris vite fait. Ouais. Alors, papy, il a dit, ben allez, comme ils sont assez mignons, bon. Il dit, ils ne connaissaient pas le tour. Du coup, j'ai dit, on a pris ça vite fait. On est venu hier soir, on a dormi dans le petit village. D'accord. Voilà, enfin, nous on est venu enfin, vraiment touriste. En touriste. Hein, ouais. On a dormi dans la voiture, on a fait un petit. C'est l'aventure quoi. Voilà, ouais. C'est génial ça. Vous avez quel âge? Moi j'ai 14 ans. 11 ans. Ah ouais, bah, c'est génial, alors c'est l'aventure. D'accord, ouais. Voilà, et puis ce matin le petit déjeuner, et puis voilà, on va regarder la caravane, et puis si on peut, après on va essayer de. Quand la caravane sera passée, on essaera d'aller à Cahors, voir un peu mieux. Je vous remercie beaucoup. De rien. Bonne journée à l'étape. Ça marche. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Et de quelle belle région vous venez? Maine-et-Loire. Alors c'est quoi là? C'est quelle ville? C'est quoi Maine-et-Loire 49, Angers, Cholet. Voilà. Nouvelle-la-Fontaine. Tu dis Nouvelle-la-Fontaine? Le zoo de Nouvelle-la-Fontaine. Ah d'accord, je ne connais pas ça. Bon, et alors là vous venez parce que c'était sur votre parcours de vacances ou Oui, plus ou moins. On est venu pour. Vous êtes venu pour le Tour de France. Voilà. Donc vous aimez bien le vélo. Voilà, on aime bien le Tour de France. Voilà. Le Tour de France précisément. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est... C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Oui, par exemple la caravane qui passe avant. Ça intéresse à ça. Oui. C'est puis, oui, bah ouais. Oui, ouais, mais le fait de les voir passer, c'est bien. C'est sympa, puis après le voir. Puis on découvre des petites communes. La publicité, Guillaume. Ah, c'est joli, ici, notre coin, là, c'est le plus beau coin de France, là, ici. vous allez être conscient, vous allez être aperçu. Hein. Chacun défend sa paroisse. Mais aussi, c'est joli. Bon, bah, c'est bien. Alors comme ça, vous aimez bien le Tour de France. Mais oui. Ça coûte cher, hein, le Tour de France, quand même, avec l'argent public.
Alors, on n'a aucune idée de ce que ça peut coûter, mais enfin, on en parlait ce matin. Apparemment, les communes sont demandées à payer, je pense, pour... Alors, moi, j'ai vu sur Internet, une étape de départ, c'est 80 000 euros de paye. Et une étape d'arrivée, c'est 120 000 euros. Voilà, quand même. Ah oui, quand même. Oui. On parle des temps qui courent avec quand même 10 millions de pauvres en France. Moi, ça me fait un petit peu hurler, personnellement. Oui, c'est vrai. Mais bon, alors c'est vrai qu'à l'origine, on en parlait avec un copain tout à l'heure, c'est une fête populaire, quoi. Oui. Voilà, oui. Au départ. Mmh. Et ça concerne tout le monde. Par exemple, des retraités qui ne peuvent plus bouger ou qui sont en maison de retraite. Oui. Ils font quoi? Ils regardent le Tour de France à la télé. Ça les occupe tous les jours. Oui. Il n'y a pas autre chose. Surtout l'été. Il n'y a plus rien. Bien sûr, il y aura encore moins puisqu'il n'y aura plus de redevances télé, donc je ne sais pas avec quoi ils vont financer des programmes. Hein. Oui. Ah, bah, ils feront comme TF1, ils feront de la publicité tous les 5 minutes. Il y en a beaucoup hein, déjà. Il y en a beaucoup, oui, ça c'est vrai. Il y a un petit peu de programme autour de la pub, mais. C'est ça. Bah, alors, au lieu de se coucher à 10h30, on se couche à 11h30. Bon, je ne vous embête pas plus longtemps. C'est très bien. Merci, bonne journée. Bah, je vous remercie merci beaucoup à vous. De vous être prêté. Je vous en prie. Merci. Merci également. Bon séjour dans le Lot. Oui. Merci. Le canal, bonjour. Bonjour. En tant que maire de Barguelonne-en-Quercy, ça représente quoi le Tour de France aujourd'hui pour la commune? Après, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est un bel événement. On a la chance d'avoir l'opportunité d'avoir le Tour de France qui passe dans le bourg historique de Saint-Donès, voilà, la mairie de Barguelonne-en-Quercy. C'est vrai que ça permet de faire une activité, de faire parler du secteur. Enfin, je pense que ça peut être que bénéfique pour le territoire d'avoir la chance d'avoir le Tour de France qui passe sur notre village. Il y a déjà apparemment là que j'ai questionné sur le carrefour. Là, ils viennent un peu partout. Quoi. Ah, mais là, je vois, c'est vrai qu'on est quand même surpris de l'engouement qu'il y a autour du Tour de France. C'est vrai que ça fait quasiment depuis 2 jours où on a déjà des personnes qui sont installés dans la côte de Ventorel où c'est qu'il va y avoir la dernière étape pour les poids. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des gens qui suivent le tour, qui sont. Et là on voit bien, hein. Enfin, là, c'est vrai qu'on voit tous les aménagements, les personnes qui sont là sur le secteur, ça mobilise quand même beaucoup de monde et on est en fait que ravis de voir que les gens viennent voir le Tour de France chez nous. Quoi. Alors, en tant qu'habitant de la commune, bon, à Saint-Pantaléon, on a bénéficié par exemple de la réception des belles routes. En rapport avec ça, c'était quand même pour... Non, pas du tout. Je crois que c'est complètement indépendant. Parce que même moi, je veux dire, j'étais pas au courant. Le tracé, on n'a pas influencé pour qu'il passe là ou là. C'est eux qui ont décidé de vouloir passer dans le bourg de Barguelonne. Non, la route... qui a été faite à Saint-Pantaléon, c'était des routes qu'ils devaient faire en termes d'entretien, qui étaient prévues historiquement, et il se trouve qu'elle a été faite dernièrement, mais ça n'a rien à voir. C'est pas vous qui demandez à ce que le tour passe par Saint-Denis? Ah non, du tout. Non, c'est pas moi du tout qui ai demandé. C'est la chance que voilà, ils ont fait le tracé et qu'ils ont choisi de passer dans le bourg de Saint-Denis, quoi. Mais non. Grâce à la belle côte qu'il y a derrière nous, quoi. Ah mais voilà, parce que la côte, comme c'est la dernière étape pour les points, les maillots à poids, donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont choisi cette côte, quoi. Alors, vous, c'est positif, quand même. Ben moi je trouve ça peut-être que positif. Voilà. Quand on voit l'engouement, les gens qui se déplacent, ça permet aussi des familles de se regrouper, de passer l'après-midi pour voir voilà, un événement qui est quand même majeur, qui est regardé dans le monde entier, on peut que se réjouir de ça. Enfin, moi personnellement, je suis ravi qu'il passe sur notre commune. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, ça les perturbe vachement. Hier, je pensais ça s'appelle les gens qui font l'aide à domicile, là, elles vont être vachement emmerdées. Alors déjà, c'est des gens qui ne sont pas beaucoup payés, ils font des trajets qui ne sont pas payés pendant leur temps de trajet, et puis là, ils vont être obligés de... Les petits vieux qui vont voir tous les jours, ils vont être obligés de faire des gros détours. Ça, je trouve ça dur, ça. Bon, en tout cas, bon courage. Merci, vous aussi. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Thank you.
Ouais, quand même, ouais. Hein? Ah oui, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui. Je vais là-bas, je vais appeler Pierre. C'est... Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, que se passe-t-il à part le Tour de France? Eh bien, on organise avec le comité des fêtes de Saint-Donès et le café associatif à Bistin-Mélincin, on organise une petite. Petit marché de producteurs impromptus, producteurs du coin qui vont proposer de la nourriture sur place et puis une petite bête pour désaltérer les badauds qui viendront visiter, voir le Tour de France sur le bord de la route. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage. Attention, il y a des voitures, attention. Allez, venez, on va refaire un arrêt au niveau de Tantouge. Messieurs, dames, bonjour. Me semble-t-il, vous n'êtes pas de la région, vous n'avez jamais croisé. Bien sûr, non, pas du tout, pas du tout. Et d'où alors? De Bretagne. De Bretagne, de Rennes. Vous avez trop chaud là-bas, alors vous venez ici maintenant dans le sud. Oui, exactement, c'est ça, oui. Ah, j'ai des bons souvenirs de Rennes, à la place où il y a un théâtre, je ne sais pas quoi, là. Voilà, la place de la mairie, oui. Oui. Les bars étaient bien remplis. C'est oui, comme toujours. C'est toujours comme ça. C'est oui. Toujours comme ça. Et alors vous êtes. Non, vous n'êtes pas spécialement fan du tour, quoi. Vous venez parce que vous étiez là, quoi. Bah oui. Voilà, c'est ça. On est en vacances à 20 km. 20 km de là. À Sérignac. Sérignac. La publicité, c'est le côté Tour de France et la gamme Premium 2022. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous nous dites où est-ce qu'on est là? On est à Saint-Donens. Bargalon d'un Quercy. À côté de Cahors. Et nous attendons le Tour de France. Et ici, vous êtes les patrons de... Du restaurant L'École. L'École, ça fait longtemps maintenant. Alors, nous sommes jeunes propriétaires depuis le mois de janvier. Nous étions salariés ici depuis 3 ans. Alors, bon, là, aujourd'hui, moi, je fais un petit reportage, si on peut dire, sur le Tour de France. Vous diriez-vous que c'est intéressant pour votre commerce? Oui, oui. Réellement? Oui, niveau... ouais. On ne va pas se mentir, on a 80 réservations pour le midi, uniquement pour le Tour de France. Un jour. Sur un service, là. Oui, un service. C'est loin de... C'est bien. C'est très bien. C'est bien. C'est le double qu'on fait tous les jours. Et prenez soin de ce bel environnement en repartant avec tous vos déchets, s'il vous plaît, pour le fait de terminer. Ouais, ben on verra. Bonne journée sur les routes du Tour. Qu'est-ce que vous nous donnez quoi? L'approche des véhicules.
c'est quoi? Ah, c'est là. Merci. C'est l'heure de l'apéro. Ah, une bouteille de gaz. Tiens, t'en as une casquette, tu la veux? Ah, t'en as une. Salut, je me permets de te filmer en gros plan dans tes lunettes. C'est quoi ton prénom ? Dimitri. Dimitri. Merci.
alors là, ça c'est Apocalypse Snow là. Ah oui, il y a encore des hélicoptères. Il y a encore des Oh, it's a track.